ma mère qui a acheté ça. Mais bien sûr, c'est ta mère. Et c'est son goût. Oh, dis donc, c'est toi qui l'as fait? Ah, j'aimerais bien, non, c'est Léo. Charlotte, chocolat, cerise, façon forêt noire. C'est Léo qui a fait ça? Tu foutais nous, quoi, là? Mais non, c'est ça. Ça s'achète, ça. Non, non, il cuisine, en ce moment, il arrête pas. Quand il a un truc en tête, il fonce. C'est comment ils sont. Avant, c'était la musique, maintenant, c'est la cuisine. Bon. Paul et Letty, c'est pareil, non? Ah, bah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, bah, oui. Paul et Letty, c'est. Là, il s'intéresse à. À rien. À rien. Ah! Non, mais c'est bien de s'intéresser à rien, ça laisse le temps de s'intéresser à autre chose. Oh, quoi, ça va être bon, voilà. Le péritel. Non. Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Tout est bien branché en plus, là. Mais c'est pas grave, tu feras venir quelqu'un. Mais t'en fais pas, Gabriel, j'ai pas besoin de regarder le journal télévisé. J'y suis, André, c'est bon, là. Toi, tu ressens le besoin de tout réparer tout le temps. Je veux pas tout réparer, André. Si, c'est ça. Ça fait 20 minutes que t'es là, en sueur devant la télévision. Pourquoi faut-il que tout marche toujours? Qu'est-ce que tu cherches à réparer exactement, Gabriel? Est-ce que ce serait pas la relation avec ton père qui est en jeu, là? André, il est 18h30. Les autres, ils rentrent pas de leur balade avec les gosses avant 21h. Ça fait 2h30 à tuer, seuls, tous les deux, en tête à tête. Vous voyez le topo ou pas? C'est le câble HDMI qui est mal branché. Merci. Ouais, 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 bah, je veux bien te donner des conseils, mais bon, moi j'ai ça dans le sang, ça va, mais bon, c'est quoi le problème, dis-moi? Bah, j'ai vraiment du mal pour les aborder, les filles, tu vois. Bon, tout ce qui suit, j'ai vraiment easy, hein. Mais pour les aborder, j'ai pas le truc infaillible. Tu leur dis quoi comme phrase, par exemple? Bah, 2-3 petites phrases, mais bon, c'est vraiment nul, hein. Vas-y, 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 on est là pour ça, balance, c'est quoi? Ok. Tu ressembles à une chips. De quoi? Parce que t'es craquante. Ouais, ok. Ça va être compliqué là. D'accord. Non, non, mais attends, j'en ai plein d'autres, ah bon, hein, vraiment. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Salut, je suis nouveau en ville, tu pourrais m'indiquer où se trouve ton appartement? Oui, alors là, on est carrément à la limite du légalement condamnable, donc. Non, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est vraiment nul. Mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher d'en sortir une. Mais parce que tu te prends trop la tête, les filles, faut leur balancer des compliments, c'est tout. Ah ouais? Mais oui, les femmes perdent totalement leur objectivité tant qu'elles sont complimentées, tu vois. Hé, hey, Letty? Letty? Hé, t'es super belle aujourd'hui, hein. Puis c'est un truc de ouf, t'as une démarche tellement gracieuse et féminine. Puis tes cheveux, ils ont l'air tellement doux, tes cheveux. Qu'est-ce que t'as fait encore? T'es dans ma chambre, c'est ça? Qu'est-ce que t'essayes de m'abattre avec tes trucs de cheveux soyeux, là? Idiot. Non, mais tu sais, chez nous, les filles dans la famille, elles sont particulières, c'est vrai. Elles connaissent trop les hommes, tu vois. Mais je veux dire, dehors, tu vas choper, hein. Fais-moi confiance, hein. Mais par contre, le coup des chips, là, tu dégages. Ok. C'est n'importe quoi, ça. D'accord. Oh, que je suis bien soulagée que les obsèques de cette pauvre Nicole soient passées. On ne s'imagine pas tout ce à quoi on a pensé. J'ai aidé comme j'ai pu, vous me connaissez. Les pompes funèbres ont fait du bon travail, il n'y a rien à dire. Mais ça brûle, pauvre. Complètement dépassée, hein. Incapable de choisir la tenue. Hein. La tenue pourquoi? Oui, non, mais ça va, on va pas rentrer dans les détails, Monique, c'est sinistre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est bégueule, votre fille, hein. Tu sais, Isa, de toute façon, la mort, ça fait partie de la vie, hein. On va tous y passer, hein. Autant s'y préparer. Enfin, moi, je parlais de la tenue du cercueil, ma chérie. Tu sais, pour notre dernier voyage, on a envie d'être présentable. Hein. Monique a raison, Isa, hein. Cesse de faire l'enfant. On y aura tous droit, c'est la vie. Hein. D'ailleurs, puisqu'on en parle, sachez que je préférerais que ce soit Laetitia qui s'occupe de ma tenue ce jour-là. Oh bah, rien de personnel, hein, mais pff, on n'a jamais eu les mêmes goûts, ma chérie, alors. Tu vas voir, je vais t'apprendre. Prendre ma voiture, sans permis en plus. C'est hyper dangereux, tu te rends pas compte? C'est bon, j'ai juste fait le tour du pâté de maison. Ah non, rajoute pas, hein. Alors s'il te plaît, donne ton mot de passe Facebook. Non, mais s'il vous plaît, je vous jure, je recommencerai. Ton mot de passe, Paul, plus vite tu me l'as donné, plus vite c'est passé. Polo the Beast 69. Quoi? Pardon? Polo the Beast 69. C'est un cibiste, alors là, t'es routier, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a que des photos de toi et un égo le gamin. Elsa Morin, ça te dit quelque chose? Non, non, mais s'il vous plaît pas, elle met des photos d'elle toutes les heures. Bam! Allez, likez! Alors, j'ai... Ah oui, Emma Fournier.
Elle a mis une photo de son chat en profil, ça te dit quelque chose ou pas? Mais c'est bon là, ça va. Bam! On la like. Putain, mais sérieux, vous me faites chier là, vous allez me foutre la honte à la PAC. Pardon, on te fait quoi? J'ai pas très bien entendu. Tu mets un commentaire sur la photo. Avec plaisir. Non, non, mais non, je retire ce que j'ai dit, papa, s'il te plaît. Tip-top, ton petit chaton. Hop là. Tip-top, ton petit chaton. Bien entendu. Mais vous me détestez en fait, c'est ça? Oh, elle a répondu trop bien. Tu laisses tes grands-parents zoner sur ton compte maintenant? Non, mais c'est mort, j'arrête la fac. Voilà, monsieur, il fallait y penser avant. Attends. Peut-être aller un peu loin quand même, là, parce que... Non, mais c'est important, ces trucs-là, pour on ne se rend pas compte, hein. Oh, tu me mets le doute à chaque fois, non, là. Écoute, tout, tout bon, bah ça va, je vais rattraper le truc. Ah, je vais mettre... trop Roma. Roma. Marrant, c'est les trucs qu'ils disent. C'est pas ma grand-mère, c'est ma mère qui avait piqué mon compte. Désolé. Je suis pas sûr que ça arrange son cas, hein. À mon avis, il va pas avoir envie de retourner à la fac. Hein. Ah, elle a répondu. Mère ou grand-mère, une vieille, quoi. Protège ton compte si tu veux pas avoir la honte en amphi. Je vais me la faire. Non, je vais me la faire. Non, tiens, Gabriel, je vais me la faire. Tip top, ton petit chaton. Bam.